Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire sur notre bord. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sérieusement. J'aimerais vous révéler des choses que j'ai découvertes. Vraiment, ce monde n'est pas un bon monde. Le monde où nous sommes là, ce n'est vraiment pas un bon monde, je vous l'assure. Chercher à rester dans ce monde, c'est vraiment pas une bonne idée. Même si on cherche à sauver des vies, c'est vraiment pas une bonne affaire. Mais nous sommes déjà là, donc nous devons tout supporter. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses cachées qui ont lieu dans le monde entier. J'aimerais vous parler de la chose qui se trouve en bas de tous les mouvements étranges qu'on a l'habitude de voir dans le monde. C'est-à-dire les gangs, c'est-à-dire les sectes et toutes ces choses que vous voyez. Qu'est-ce qui en bas? Quels sont les pouvoirs cachés que vous ignorez carrément? Vraiment, aujourd'hui, je prie que Dieu m'aide à vous ouvrir les yeux. Aux États-Unis, on parle de gangs. Des gangs. Et même des gangs rivaux. Ces gens-là s'attaquent parce qu'ils veulent avoir le pouvoir sur le business de la drogue et beaucoup d'autres choses derrière. Et on voit des assassinats, des meurtres, on tue des innocents, on tue des pères de famille, des enfants, tout est devenu bizarre. Et ces gens, pour assurer leur protection, ils ont des armes qui peut même aller jusqu'à des armes très lourdes. C'est très connu. Il y a plein de documentaires qui circulent sur le net. J'en ai regardé même avant de faire cette vidéo. J'ai vu ces choses et j'ai découvert plusieurs éléments qui ont un lien avec une chose qui se trouve dans le monde des esprits. C'est quelque chose d'étrange. C'est que dans ces genres d'organisation, on voit que ces gens qui s'y trouvent, parfois, ont les yeux partout. C'est comme s'ils savent tout. C'est comme s'ils étaient partout et qu'ils connaissaient tout et qu'ils voyaient tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, comment c'est possible? Comment ces gens-là arrivent-ils à être informés d'une chose alors qu'ils n'étaient pas censés être là? Et c'est un exemple que je peux vous donner comme si. Voici l'exemple que je choisis. Par exemple, un membre de leur gang a commis un crime. Quelqu'un l'a vu. La personne va le dénoncer à la police. La personne qui allait le dénoncer à la police là, cette personne allait le faire en secret, mais c'est les membres du gang de ce gang en question là, ils seront automatiquement informés de qui les a dénoncés, de qui les a vendus auprès de la police, et ils viendront régler le compte de cette personne parce que eux ils savent tout, ils voient tout. À cause de quoi? Quel est ce pouvoir qui leur permet de voir tout et d'entendre tout? Juste un indice. Les gens ont parlé de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout.
On entend toujours parler, l'œil qui voit tout, l'œil qui voit tout, même les célébrités ferment un œil comme ça. Mes frères et sœurs, cet œil-là, c'est censé être le troisième œil. Souvent, on l'appelle l'œil du diable. Avec cet œil, vous pouvez effectivement tout voir, tout savoir. Et oui, de la manière que vous voyez devant, c'est comme ça que vous voyez derrière. C'est-à-dire si quelqu'un vient par derrière pour vous attaquer, avec les yeux qui sont derrière ici, vous pouvez voir. Oui, vous saurez tout. Vous allez savoir tout. Et c'est un œil très mystique. Mais je vais donner plus de détails à la fin. Ça, c'était le gang. Prenons le cas des sectes. Au Nigeria, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Des sectes qui se créent et qui mettent la terreur dans tout le pays. Dans tout le pays. Des gens, des jeunes gens qui ont souffert dans leur vie, qui ont vu leurs parents mourir sur leurs yeux, qui ont décidé de se venger, qui sont entrés dans des telles sectes pour combattre d'autres sectes. Et ça devient la guerre. Ils se font la guerre. Et ce sont les meurtres. On peut même dire qu'il y a vraiment beaucoup de meurtres juste à cause de ces gens de conflit. Et tout peut arriver, c'est l'un des autres. La police ne fait rien faire. Le gouvernement est impliqué. On a vu des vidéos au Nigeria où il y avait des véhicules vraiment de 4x4 quoi, qui étaient donnés à des bandits. Alors que ces bandits sont censés être des bandits. Les gens ont filmé son procès sur les réseaux sociaux pour dire que, ah, regardez, on voit les membres du gouvernement avec des bandits. Comment c'est possible? Et on se pose la question, mais comment est-ce que c'est possible que les membres du gouvernement collaborent avec ces bandits-là? Si vous voyez ça, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui les lie et qui les unit. Et cette chose-là, qui leur permet même d'avoir ce pouvoir-là, qui est même en dessous. C'est l'esprit du diable et la sorcellerie. De la manière aux États-Unis, il y a les gangs. De la manière, il y a les sectes au Nigeria qui font beaucoup de dégâts. Et de la même façon, il y a la sorcellerie. La sorcellerie. C'est comme un kank. C'est-à-dire, c'est comme une secte. Mais eux, ils sont là pour détruire aussi. Ils ne sont, eux tous, ils sont là pour détruire. La sorcellerie, les sorciers, ce sont les gens qui ont le pouvoir mystique. Et ils utilisent ce pouvoir mystique pour connaître la position des gens, connaître les gens afin de les détruire. Vous voyez? Donc, la base même de tout ce que je viens de dire là, c'est la sorcellerie. Il faut d'abord être un sorcier, c'est-à-dire avoir un cœur méchant pour pouvoir entrer dans un gang. Alors que quand tu deviens sorcier là, tu es possédé par un ou plusieurs démons. C'est à partir de ces démons là ou ces démons là que tu arrives à faire du mal quand tu te trouves dans un gang ou bien dans une secte criminelle. Oui, non. Donc, ces gens-là, à la base, sont d'abord sorciers. Et ils ont des pouvoirs mystiques qui leur permettent de voir avec le troisième œil. Et quand on parle des sorciers, ils sont tous interconnectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, un sorcier de votre famille vous cherche, et que vous fuyez pour aller dans un autre pays. Il suffit juste qu'il y ait un sorcier dans le pays où vous êtes, dans le quartier où vous êtes. Automatiquement, ce sorcier que vous avez fui de votre famille là, il saura tout ce que vous faites là où vous êtes allé.
Il pourra même voyager pour venir vous trouver là-bas. Vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de différence entre là où vous étiez et là où vous êtes allé. Parce que les sorciers ont tous le même esprit. Ce que l'un voit, c'est ce que l'autre aussi voit. Quand vous quittez votre maison, vous allez parcourir plusieurs villes. Quand vous allez parcourir plusieurs villes, vous allez voir des gens qui vont vous voir aussi. À partir du moment où ces gens-là vous voient, c'est que les sorciers vous voient aussi. Parce que ces gens-là, en général, ceux qui sont des sorciers parmi ces gens, leurs yeux sont interconnectés. Parce que quand ils ont la sorcellerie, c'est ça. Les deux mots se communiquent. Et quand ils se communiquent, il n'y a plus de distance. Vous pouvez être au Mali. Et puis quelqu'un va être en France. Dès que la personne qui est en France voit quelque chose, automatiquement, celle que Mali là, elle voit aussi la même chose. Ce sont des sorciers. Et ces sorciers-là sont aussi dans les sectes, dans les gangs. Et ces sorciers-là utilisent leur pouvoir là comme ça. Leur pouvoir, leurs yeux. Le savez-vous? Le savez-vous? En plus d'être bandits, ils ont des pouvoirs mystiques. Des pouvoirs mystiques très dangereux. Très, très dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Et les gens se posent la question, les gens se posent la question, mais pourquoi souvent dans certains pays, certains membres du gouvernement sont liés aux bandits, aux gangs et tout ça? C'est parce que pour venir jusqu'à ce niveau, pour être membre du gouvernement et tout ça, parfois, il y a des conditions. Il y a des règles déjà établies. On peut te dire que si tu n'es pas un sorcier, tu ne peux pas être chef du village. Vous n'avez jamais entendu ça. C'est de la même façon là-bas aussi. Si tu n'es pas dans une secte, tu ne peux pas être là-bas. Tu ne peux pas être dans cette position. Ils te disent que c'est ce que tu dois faire, sinon tu ne pourras pas le faire. Si tu refuses, ils vont te combattre. Donc, ceux qui sont calés sont censés avoir accepté toutes ces conditions. Vous voyez, non? Maintenant, dans ces gens d'endroit-là, on trouve le diable. Ça, c'est juste une branche occulte. Ce sont juste des gens qui sont en train de prier Satan, d'adorer Satan, de détruire le monde, faire du mal aux humains. Maintenant, vous vous posez la question de savoir pourquoi ces gens-là, on les voit avec les bandits, pourquoi on voit certains membres du gouvernement souvent avec les bandits, pourquoi est-ce qu'ils collaborent avec eux et tout ça. C'est parce qu'à la base, eux tous, ils sont censés être des sorciers d'abord. Est-ce que vous comprenez? À la base, eux tous, ils sont censés être des sorciers d'abord. Vous voyez, non? Maintenant, chacun occupe des postes. Chacun occupe ce poste. Ils sont bien cravatés. Moi, tu me vois ici mal habillé. L'autre, tu vas le voir, il est cravaté. Mais celui qui est mal habillé, puis celui qui est cravaté, si les deux ont l'esprit de la sorcellerie, ils adorent le diable. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Pas de différence. C'est là où vous allez voir que le gouvernement travaille avec des bandits. Quand vous voyez ça, ne soyez pas surpris. Le fil conducteur, c'est l'esprit de la sorcellerie. Quand vous voyez ça, sachez que ils adorent tous le diable. Ils travaillent pour le diable. Est-ce que vous savez que les membres des gangs, les membres des sectes et tout ça, tous travaillent. Est-ce que vous savez que tous travaillent pour le diable? Avec les sorciers aussi. Est-ce que vous savez que tous travaillent pour le diable? Ils travaillent tous pour le diable. Et la chose la plus dangereuse, c'est que ces gens-là, ils sont placés partout. Ils voient tout. Ils voient tout à partir de l'œil qui voit tout. The all-seeing eye. L'œil qui voit tout. Quand on dit voit tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu quittes ta ville pour aller dans une autre ville et que tu penses que
personne ne sait ce que tu fais, tu te trompes parce que sur le chemin, tu ne sais pas ce qui se passe. Comme je vous ai dit, dès qu'un être humain t'a vu, c'est que eux t'ont vu, c'est que le diable t'a vu. Les yeux des gens là, ce sont les yeux du diable. Dès que quelqu'un t'a regardé, dès que quelqu'un t'a vu, dès que tu croises une personne qui a des yeux seulement, tu es en peine. Parce que ils sont tous des représentants du diable. En fait, toi, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui te connaissent que toi, tu ne les connais. Tu vois, il y a beaucoup plus de personnes qui te connaissent que toi. Ceux qui te connaissent sont plus nombreux que toi. Toi, tu connais peut-être peu de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. C'est comme les célébrités. Allez, jeter un coup d'œil sur leur compte Instagram, Twitter, TikTok, un peu partout. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ces célébrités-là ont peu d'abonnements, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés à peu de personnes. Mais il y a des millions de personnes qui sont abonnées à elles, qui les suivent, qui voient ce qu'elles font. Dès qu'elle bouge la tête, ici net, tout le monde en parle. Dès qu'elle dit ceci, net, tout le monde en parle. Dès qu'elle dit ça, tout le monde en parle. C'est la même façon qu'il y a plus de personnes qui vous connaissent que vous ne les connaissiez. Vous voyez? En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, si vous voulez porter des cagoules, parce que vous voulez aller braquer une banque, croyant que personne ne va savoir que c'est vous. Et tout ça, vous vous fatiguez. Moi, je vous le dis ouvertement. En esprit, déjà, les gens vous ont déjà détecté. Ils savent que vous vous préparez pour aller braquer une telle banque. Ou bien faire ceci. Pour que ça marche, il faut que vous soyez d'abord un sorcier. Si vous êtes un sorcier, vous allez vous attendre à d'autres sorciers. Afin qu'eux ne puissent pas vous dénoncer. Et ça sera caché. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et c'est ce qui se passe. Et quand je regarde le monde entier, je dis vraiment, ce monde est tellement vraiment très 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 dangereux. Parce que les plus grands criminels se trouvent au pouvoir. Les plus grands criminels occupent des postes très élevés dans ce monde. Les plus grands méchants. Ce ne sont pas le voleur du quartier, le voleur de tel endroit. Sinon, même les membres des gangs, ce ne sont pas les plus grands criminels. Les plus grands criminels, ce sont ceux-là qui dirigent le monde. Ils sont pas un grand nombre, ils sont petits comme ça, un petit nombre. Ce sont eux qui dirigent le monde. Des gens qui sont capables de mentir sur un président. Parce qu'il n'aime pas sa tête, afin qu'on puisse créer des problèmes dans son pays. Des gens qui sont capables de créer des problèmes dans un pays, et puis après venir proposer des solutions. C'est comme des gens qui vont créer des terroristes dans un pays. Ils vont voir des terroristes, mettre la cisanie dans un pays. Maintenant, après, ils vont venir devant nous au grand jour pour venir dire, ah, écoutez, nous, on peut vous aider. Juste, on vous aide et puis vous nous donnez l'autre part du gâteau. Ceux qui te font du mal la nuit, ce sont ceux qui viennent encore le matin pour te faire du bien. N'avez-vous pas vu ça? N'avez-vous pas vu ça? Quand vous voyez ça, mettez-vous automatiquement dans la tête que vous êtes face à des sorciers. Des sorciers. Ceux qui dirigent le monde sont des sorciers. Je vous le dis ouvertement. La base sont les sorciers. Et quand ils parlent de l'œil qui voit tout, c'est parce qu'ils voient effectivement tout. Ils ont l'air représentants partout. Même les nouveau-nés. Dès que le nouveau-né naît, il le regarde. Il commence l'initiation. L'enfant va commencer à téter. C'est de sa maman. Jusqu'à. Dès qu'il va se mettre à parler, à marcher, là, c'est fini. Il devient directement un agent du diable. Ce qu'il voit, c'est ce que le diable voit. Le démon peut même le posséder.
Oui, pour faire la sorcellerie. Moi, dans le combat spirituel avec les sorciers, tout ça, j'ai vu que même les enfants, de moins de 8 ans, m'ont attaqué. Ils ont été utilisés par le diable pour m'attaquer. J'ai regardé, j'ai dit vraiment, c'est un truc hors du commun. Un papa sorcier qui vient d'avoir un enfant, il peut utiliser cette nouvelle-là, son nouveau-né-là, comme un appât. Genre comme quoi? Comme je t'ai mis au bout de la maison pour jeter dans l'eau, quoi. Parce que tu cherches à attraper quelque chose. Ou bien quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si un sorcier te cherche et qu'il veut vraiment venir t'attaquer chez toi, il va utiliser cette bonne nouvelle-là comme une occasion de venir te rendre visite et puis profiter de cette occasion-là pour t'attaquer. Peut-être qu'il va mettre du poison dans ta nourriture. Peut-être qu'il va faire des trucs bizarres. Mais comment ça se passe? Déjà, toi, tu es un cousin. Il vient d'avoir un enfant. Et lui, c'est un sorcier. Tous les sorciers, les 10 milliards de sorciers de la Terre, eux tous, ils se sont dit, ah, on doit attaquer telle personne. Comme toi, tu viens d'avoir un enfant, c'est une bonne nouvelle, non? Pour toucher sa sensibilité, il faut aller juste lui annoncer que tu viens d'avoir un enfant. S'il te fait asseoir et que vous mangez ensemble, profite de cette belle opportunité pour faire maintenant la sorcellerie chez lui. Et cette personne-là maintenant va en mission avec cette nouvelle. Toi, tu as un bon cœur. Tu vas dire, oh, il a accueilli cette personne chez moi. Voici une personne de la famille qui vient d'avoir un enfant. C'est une bonne nouvelle. Venez, venez, on va célébrer. Alors que tu ne sais pas que c'est juste c'est juste un prétexte. Que ce jeu l'a utilisé parce qu'il te cherche. Il te cherche. Il te cherche. Il cherche à t'avoir. Il cherche ton âme. Il cherche à te détruire. C'est comme moi-même, un jour, je marchais. Mais avant de marcher, j'avais regardé un film. J'ai regardé un film. Et moi, je ne savais pas que pendant que je regardais le film, l'œil du diable qui voit tout aussi regardait le film avec moi. Dans le film, il y avait vu une action, une scène où il y avait un homme et une fille. Ils s'aimaient bien, j'aimais bien comment l'amour s'exprimait, ils s'aimaient bien. C'était joli, quoi. C'était bien la présentation. Dès que je suis sorti de la maison, ça n'a pas duré sur le chemin. Je ne suis même pas arrivé au portail. C'est-à-dire, hein, à la sortie de l'endroit où je me trouve, de la zone où je me trouve. J'ai dit, voici une fille que je vois en train de marcher très rapidement pour venir. Elle est claire comme ça, elle est jolie, elle est séduisante, elle est attirante, elle est. Mais de la manière elle courait pour venir, elle était à temps. Peut-être qu'elle est trop pressée, il faut que je marche lentement pour qu'elle puisse passer le portail. Mais là, moi, c'était de marcher lentement pour qu'elle passe le portail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche rapidement jusqu'à arriver à mon niveau. Elle fait semblant comme si son talon est cassé. Les gens, comme elle a porté talon, et puis le talon est cassé, quoi. Elle fait semblant, genre, un truc comme ça. J'ai dit, quand j'ai regardé ça, l'esprit de Dieu m'a dit, continue, ne regarde pas derrière. C'est la sorcellerie en train de faire. En fait, ce que j'ai regardé dans le film, comment c'était beau, c'était joli et tout ça. Elle avait voulu venir profiter de cette belle opportunité où mon cœur est ouvert afin de venir attaquer et prendre la place de cette fille que j'ai vue dans mon songe. Non, non, que j'ai vue dans le film. Afin que elle puisse maintenant faire ce que Delilah a fait à Samson. Aller chercher à savoir le secret de Samson pour le détruire. C'était ça son but. Je dis, ah bon? Ça veut dire que le monde va mal dans tous les domaines. Je vous ai dit dans l'une de nos vidéos précédentes que le diable est en train de former son armée sur nos enfants. Oui, il a été formé son armée sur nos dos. Aujourd'hui, je vois plein d'enfants dehors. Je vois plein de jeunes. Je regarde la jeunesse. Je regarde les filles, je regarde les petits gars, les jeunes gens. Mais je me dis, l'avenir est bizarre.
Parce qu'il n'y a que des sorciers dehors. C'est comme si nous vivions dans un monde où il y a des zombies. Pour le moment, ils se sont pas encore transformés en zombies pour que vous puissiez les voir facilement. Ils sont habillés comme vous, ils sont comme vous et ils parlent comme vous. Mais quand le temps va venir pour qu'ils se transforment en zombies, vous aurez l'impression que vous êtes dans un film. Parce qu'ils seront vraiment comme des zombies. Et ça risque d'être chaud. C'est là que je vous dis. Mes frères et sœurs, vu tout ce que je viens de vous raconter, quand vous avez des problèmes, ne criez pas, n'appelez pas le gouvernement. Peu importe le pays où vous êtes, n'appelez pas le gouvernement. Ne dites pas, oh, le gouvernement, venez nous aider. Sinon, ce sera le Satan que vous allez appeler. Plutôt, vous-même, réunissez votre intelligence. Réunissez vos intelligences. Réfléchissez vous-même sur comment vous allez régler vos propres problèmes. Parce que si vous voulez appeler les gens, comme le gouvernement, quoi que ce soit, pour venir vous aider parce que vous avez besoin d'aide, peut-être qu'au quartier, le pont est cassé. Pour arranger le pont, vous voulez appeler le gouvernement pour faire ceci. Si vous appelez qu'ils ne viennent pas, arrêtez. Vous allez faire votre premier devoir qui est d'informer. Les informer qu'il y a un problème ici, le pont est cassé. S'ils ne viennent pas vous-même là, réunissez vos forces, vous-même cotisez, arrangez-vous entre vous, construisez vos ponts et puis vivez votre vie tranquillement. Parce que c'est la réalité. Et j'ai regardé l'armée. J'ai dit, ah, on parle beaucoup de corruption. On dit que oh, les gens de l'armée sont corrompus et tout ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans l'armée, il y a les sorciers aussi. Les gens qui ont l'esprit de la sorcellerie. Et ils veulent occuper les postes les plus élevés. Quand ils réussissent, quand ils réussissent, c'est là que le problème commence. Oui. Mais je ne peux pas trop en parler parce que quand je regarde la population, je dis mais bon, de toutes les façons, la population est sorcière, l'armée est de la sorcellerie, le gouvernement est de la sorcellerie, tout le système sorcellerie, certaines églises, les pasteurs, les prêtres, tout le monde sorcier. C'est un monde de sorciers en réalité. Les bandits ont la sorcellerie, les membres de gang ont la sorcellerie, les sectes sorciers. Tout le monde a l'esprit de la sorcellerie. Ça là, tu vas où avec? Tu vas où? Mais quand c'est comme ça, là tu comprends pourquoi Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde. Parce que tout ce qui est autour de nous là, ce n'est que ténèbres. C'est comme un homme qui a une bougie qui marche dans un endroit où tout est noir. Pourquoi tout est noir autour? C'est parce que ce sont les gens qui sont là, dans le noir là. Et ces gens-là, ils ne sont pas éclairés. Parce qu'ils ont l'esprit de la sorcellerie. C'est comme dans un pays. On dit qu'il y a 4 millions, il y a 14 millions de personnes. Mais toutes ces personnes-là, tout le monde est sorcier là-bas. Tout le monde est sorcier. Peut-être une seule personne a une bougie qui est allumée. C'est-à-dire que ce sont les gens qu'on appelle les cellules. Le diable travaille sérieusement. The devil at work. Le diable travaille sérieusement. Les membres des gangs, les sectes, toutes ces choses que vous voyez autour, dans le monde, un peu partout. Ce sont les choses que le diable a positionnées pour faire souffrir les gens. La plupart d'eux sont possédés par des démons. Ça fait que quand de telles personnes viennent vers vous, là, pour vous attaquer, si vous avez le pouvoir de vous défendre, soyez sans pitié. Parce que c'est un démon qui vient vous attaquer sans pitié. Rendez-lui la monnaie, sa pièce. Maintenant, les réalités sont devant vous. Le monde est très méchant. Très, très, très méchant. Ne soyez pas distrait. Le monde est méchant. Vous pouvez croiser quelqu'un qui fait pitié. Oh, il fait pitié, il pleure. Oh, tu peux pleurer. Et vous dit des choses, oh il pleure, oh pardon, aide-moi,
et vous, vous voulez aider la personne. Si vous ne voulez vérifier pas que cette personne-là n'est pas possédée par un démon et que vous l'aidez, c'est comme si vous allez l'aider à vous tuer. Et oui, parce que les démons font aussi semblant de pleurer. Je pleure. Les démons sont trop forts d'en faire pitié. Faire pitié pour tromper les gens, toucher le cœur des gens. Ils sont trop forts dans ça. Rendez à chacun selon ses œuvres. Rendez à chacun selon ses œuvres. Vous les croyants du monde entier. Ne soyez plus des plaisantins ni distraits. À partir du moment où vous êtes bon et incorruptible, tous les yeux de toutes ces personnes que je viens de citer là sont sur vous. Le monde entier vous regarde. Et ils vont vous attaquer d'une manière ou d'une autre. Vous passez s'il s'est bloqué, il ferme la porte. Vous passez là, il ferme la route. Vous passez s'il ferme la porte. Comment ça se passe? C'est-à-dire même ils ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Alors que voici la réalité. Si vous avez des questions, posez-moi vous vos questions en commentaire et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voici ce que j'avais envie de vous révéler. C'est la sorcellerie qui domine le monde. Et il y a l'œil qui voit tout. Les gens vous voient, ils voient tout ce que vous faites. Peu importe l'endroit où vous allez. Maintenant, c'est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire. Le diable vous voit tous. Je dis bien, le diable vous voit tous. Il voit tout ce que vous faites. Confiez votre vie entre les mains de Dieu et soyez vous-même très vigilant, très prudent. Parce que nous sommes en guerre. Ha! Waouh! Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Application sur Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.